Coucou ma chipie. Ça va? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Petite coupe un peu particulière ce matin. Donc aujourd'hui nous sommes lundi, si je dis pas de bêtises, nous sommes lundi. Et je commence un weekly vlog, donc je vais filmer plusieurs jours. Ça fait méga longtemps que j'ai pas sorti cette caméra et que je n'ai pas fait de vlog comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire un cette semaine. J'ai des petits trucs de prévu, rien de ouf non plus, mais des petits trucs cool quand même, donc je voulais sortir la caméra et filmer un petit peu chaque jour. Je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, vraiment c'est de l'impro total. Mais écoutez, c'est ce que je préfère au final. Aujourd'hui, jusqu'à ce soir, pas grand chose de prévu. J'ai des trucs à faire sur l'ordi, j'ai envie d'aller faire un petit tour en vélo parce qu'en fait cette semaine aussi il fait super beau. Donc ça c'est vraiment trop trop cool, il fait beau, il fait chaud. Bref. Je viens de recevoir des colis, donc comme ça je vais les ouvrir avec vous. Juste là, regardez ça. Ah ben voilà qui est mieux, je me suis fait donc une tête, juste maquiller mes yeux. En ce moment je fais tout le temps ce maquillage, toujours le même, sans mettre de fond de teint ou autre, enfin je mets rien sur le teint parce que quand il fait ce temps là, j'ai horreur d'avoir, vous savez, juste la sensation d'une couche de make-up sur le teint, j'aime pas du tout. Je me suis aussi attachée les cheveux parce que quand j'aurai terminé de déballer les colis, j'ai bien envie d'aller faire un tour en vélo. Parce que ce soir, je crois pas vous l'avoir dit, je vais chez Poppy, ma copine Poppy, que vous connaissez je pense si vous êtes sur TikTok à mon avis, et même on a déjà fait une vidéo ensemble sur ma chaîne. Donc du coup voilà, on va se voir ce soir. Je pense pas que je vais filmer grand chose parce que bon voilà, je vais juste profiter d'être avec mes copines. Enfin voilà, c'est pas forcément pour du YouTube ou pour du TikTok qu'on se voit. Hein. Voilà, mais donc du coup, je vais chez elle. Nous avons Silver qui a déjà réquisitionné un carton. Je crois pas vous l'avoir montré aujourd'hui encore. Bon alors au final les gars, les colis que je vais vous montrer, ça va être très rapide puisque j'en ai que deux. Puisqu'en fait le reste c'est pour des partenariats, des collabs qui vont arriver dans longtemps, mais bref je peux quand même pas vous montrer ce que c'est. Donc c'est deux trucs que j'ai commandé moi. En premier, est-ce que vous reconnaissez le motif là? Enfin les produits d'ailleurs qui sont dedans. C'est un colis Bath & Body Works. Alors oui, ils ne vivent pas en France, mais je suis passée par un site qui expédie les colis. Et du coup cette mini partie vidéo est en collab avec cette marque et donc ce site qui s'appelle Stackery ou Stackery. J'avoue que je suis pas sûre de la prononciation, je dirais Stackery. Bref, et en fait donc du coup voilà, c'est si maintenant vous avez envie de passer commande sur des sites étrangers qui ne livrent pas en France, c'est un service qui réexpédie les colis chez vous. Et c'est plutôt cool parce que c'est vrai que Bath & Body Works, ça fait une éternité que j'ai pu commander dessus. Et en fait là, je sais pas si vous verrez, j'ai uniquement pris des savons pour les mains. C'est vraiment, j'adore en fait ceux de chez eux. Ils sont toujours trop cool et ils sentent mais trop bon. Et ça sort, vous savez, en mousse comme ça. Bref, j'adore. Il y a toujours des offres sur le site, trop achetés, trop offerts. Enfin, c'est vraiment super intéressant. C'est super simple. En fait, quand vous vous inscrivez sur le site, vous avez une adresse factice qui vous est donnée, qui est en fait l'adresse de l'entrepôt Stackery, mais avec votre nom et aussi un petit code. Un petit code qui est en quelque sorte votre casier dans l'entrepôt chez Stackery. Ce qui fait qu'en fait, quand vous allez commander, par exemple là, sur Bath & Body Works, mais ça peut être aussi Sephora US ou d'autres sites, peu importe, déco, fringues, il y a de tout qui livre pas en France. Vous rentrez en fait l'adresse que vous aurez sur votre compte Stackery quand vous enregistrerez. Vous mettez cette adresse là avec le code dans votre commande. Votre colis va arriver à l'entrepôt dans votre petit casier et ensuite sur le site bien sûr vous notez aussi votre adresse en France. Et voilà, quand le colis va arriver, ce qui est cool c'est que si maintenant vous commandez plusieurs choses de plusieurs sites différents, et ben vous pouvez tout mettre en un colis pour économiser du carton et tout ça. Enfin bref, c'est beaucoup mieux de tout compacter en fait et bien sûr vous faire du coup renvoyer le colis en France. C'est une apparition de la Laura du montage, juste pour vous dire que dans la description il y a un lien en fait qui vous donne droit à moins 10% sur les frais d'expédition si jamais vous voulez commander. Voilà, c'était tout, je m'en vais. Et même vous voyez, je trouve ils sont jolis les petits packagings et tout, ça fait vraiment genre dans une salle de bain. Celui-là d'ailleurs je pense que je vais le mettre dans ma salle de bain, ça fait vraiment joli en fait. J'ai que pris des odeurs assez soit un peu été, genre vanille, là c'est Honolulu Sun, genre noix de coco et des trucs comme ça, ou alors très frais en fait. Regardez-moi ça,
petite collection de savons. Et la deuxième chose que je me suis commandée, ça ne va pas vous étonner du tout, mais quand je l'ai vu dans cette couleur, je me suis dit mais tu ne peux pas passer à côté, surtout qu'il était en promo. Voilà. J'ai donc le jog Adidas, donc cette forme là, j'aime trop, je l'ai déjà en espèce de bleu vert comme ça, noir, et du coup je voulais le rouge, et je l'ai payé 32 euros, quelque chose comme ça, enfin moins 30% en fait, donc franchement voilà, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Voilà, petit achat de moi à moi, mais je sais qu'il va être très rentabilisé parce que comme vous le savez, je suis un peu fan de jogging. Maintenant, je vais m'installer un petit peu à l'ordi parce que j'ai des petits trucs à faire et ensuite, on ira faire un petit tour en vélo avant d'aller chez Poppy. Du coup ouais, bon, je pense que ça se voit quand même que j'ai fait du vélo parce que je suis un peu toute transpirante et puis je m'étais changée de toute façon. Et bah voilà, regardez qui est là. Elle rentre chez le coiffeur, regardez comment elle est. Ah oui, tes beaux cheveux, vas-y. Regardez ça, cette crinière. Trop beau. Voilà. Du coup je suis bien arrivée. On sait pas du tout qu'est-ce qu'on va faire encore, mais écoutez, c'est comme je l'ai dit, c'est une improvisation. Voilà. Un pro comme ça. Exactement. Nous sommes le lendemain matin, d'où cette tête, je pense que ça se voit. Il est 9h30 et en fait, hier, j'ai pas beaucoup filmé du tout chez Poppy, juste quand je suis arrivée. En fait, après, il y a une copine, elle, qui nous a rejoint. On a papoté toute la soirée, tout ça. Et en fait, c'est vrai que dans ces moments-là, je pense pas du tout à sortir la caméra. Et j'ai même pas forcément envie de vlogger. Enfin, en fait, juste en mode, je passe un bon moment entre copines et tout. Et j'oublie complètement la caméra et tout ça. Ce qui est plutôt positif. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas... Ouais, j'ai rien trop à vous montrer sur ma soirée d'hier. Mais en tout cas, c'était très très cool. Je suis rentrée assez tard. Et du coup, ce matin, en fait, je suis vraiment dans les papiers, les factures, les trucs... un peu relou, truc de dernière minute, problème de dernière minute, je sais pas quoi, enfin bref, du coup il faut que je m'occupe de ça. Aujourd'hui c'est une journée assez chargée quand même, enfin surtout dans l'après-midi, la soirée vous allez voir, parce que je vais faire une sorte de meet-up séance de sport. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que les séances que je fais avec un coach sur Strasbourg, et la dernière fois il m'a proposé de faire une sorte de séance de sport à plusieurs avec des abonnés en extérieur, et du coup de faire un petit meet-up en même temps quoi. Donc j'ai trouvé l'idée super cool, j'ai jamais fait ce genre de truc. Du coup j'avais lancé une story sur Instagram en disant que j'avais proposé une séance de sport collective avec des abonnés gratuite, avec un petit meet-up, petit apéro, petit goûter et tout en même temps, pour qu'on puisse forcément un peu papoter ensemble et tout, ça peut être cool, et que premier arrivé, premier servi. Donc ouais, quand même étonnée du nombre de messages que j'ai reçus. Bien évidemment on n'a pas pu prendre tout le monde parce que avec les conditions sanitaires et tout ça, j'ai un poil de chat, un poil de snowball là, ça m'énerve. On a dû réduire un petit peu, donc on s'est limité à 10 personnes. Mais regardez-le lui là-haut. Silver. Ça va ? J'ai terminé mes petites affaires bien accompagnée devant l'ordinateur de Snowbellus. Voilà. Et du coup, je vais aller juste derrière là me faire une tête quand même, parce que là ça ne va pas. Une petite tête, rien de fou, mais bon, quand même. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais Mimi! C'est trop beau! J'ai fait un TikTok dessus plus de profondeur, dirons-nous. Je l'ai testé et tout pour la première fois. Oh, trop beau, c'est les Dazzle Sticks, je crois. Comme ça, là. Tout lumineux, tout... Oh, j'adore, c'est trop mes trucs de l'été, ça. Tu mets ça partout, t'estompes et c'est fini. Genre, je ne me prends pas la tête à faire un make-up de 10 minutes, là. Vraiment pas. Alors, attendez, le bouchon, voilà, comme ça. Oui, c'est ça, Dazzle Stick.
Et ça, c'est la teinte Flash Storm. Trop beau, avec des petits reflets un peu genre violine comme ça, marron. Trop, trop beau, j'adore. Petit thread liner, mascara. Et c'est tout. Je pense que je vais même pas toucher à mon teint aujourd'hui parce que le sport ce soir, plus la chaleur et tout, même pas envie. Les yeux là, ce phare, mais c'est trop joli. Vraiment trop trop beau. Voilà, je pense que je m'attacherai les cheveux un peu plus tard parce que j'ai fait des tresses l'autre coup et j'ai dormi avec, comme ça ça me fait des petites wavy. Voilà, technique que je fais toujours, toujours la même, hein, si vous suivez mes vidéos, la technique sans chaleur là, c'est toujours la même. Maintenant je vais faire mes TikTok, m'habiller, choisir ce que je vais mettre et je vais tout doucement pouvoir me mettre en route pour aller chez ma copine. Ça y est, je suis ready, je suis changée, je vais aller chez ma copine tout de suite pour qu'on commence à préparer avant que les abonnés arrivent. J'ai plus qu'à mettre mes choses. J'ai le sac avec tout ce qui est boisson, nourriture et tout. Derrière, j'ai mon trépied à prendre, trépied téléphone, corde à sauter, deux, trois trucs. Il faut que je fasse le petit point avant de partir, que j'oublie rien. Ah, Snowbellus. Voilà, donc écoutez, c'est parti, j'espère que ça va être cool. Allez, top. Voilà. Allez, allez. Bien. C'est propre, c'est propre. Ah non, non, fais le squat droit, droit, droit. Descends droit. Voilà. T'as les fesses en arrière. Descends droit. Voilà. Allez encore. La dernière. Allez. Top. Allez, allez. Voilà. Voilà, c'est bon. Mais c'est qu'elles sont motivées, les filles. Voilà. C'est parti. Ah, vas-y. Vas-y. Et moi, je filme. Et les la méchante. Bien, bien. Bon, allez, j'y vais, je suis pas comme ça. Allez, allez. Je viens de rentrer à la maison, je suis claquée, il est même pas loin de 21h, j'ai tout arrangé là encore. Et du bordel là et du bordel là-bas, enfin bref, gros rangement je pense demain parce que là ce soir je vous avoue que je suis un peu morte. C'était hyper cool, vraiment trop 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 bien. Si les filles vous passez par là, encore merci d'être venues et je vous fais un bisou à travers l'écran. Mais non, c'était très très chouette. Par contre je sais pas du tout ce que je vais, bon je vous aurais mis avant du coup, mais là maintenant à l'heure où je filme le vlog, je sais pas du tout en fait ce que les images que j'ai filmées et tout, si ça va aller. Parce que filmer un coup des stories, un coup de vlog, faire les exercices parce que je voulais pas non plus, enfin c'était un peu compliqué. Mais écoute, on verra ce que j'arrive à faire. Je pense de toute façon que je vais plus filmer ce soir parce que je suis un petit peu morte. Je vais trop rien faire à mon avis, je vais me poser tranquille et je vous reprendrai demain parce que demain j'ai un petit truc déco à faire avec vous. Mais je vous expliquerai ça au moment venu. Voili voilou. Comme on se retrouve les amis, j'espère que vous allez bien avec ma super brûlure de fer à boucler, je sais pas si ça se voit, mais je me suis fait des boucles hier et je me suis cramé le front, voilà, tout va bien. Donc le week-end est passé pour moi, du coup je n'ai pas filmé pendant ce temps-là pour me prendre 2-3 jours off tout simplement. Et donc aujourd'hui on est le combien, je sais même pas combien on est le lundi 26 juillet du coup. Là je suis sur ma terrasse en train de bosser puisque je filme une preview pour une collab pour Instagram. Du coup je me suis fait une petite installation de fortune là avec une petite table et tout parce que je voulais filmer ça dans un endroit qui change un petit peu. Et voilà, donc du coup je me suis dit sur ma terrasse pourquoi pas. Il y a Snowbell qu'il faut que je surveille parce qu'en fait je vais vous la montrer. Coucou Mimi, elle adore se rouler là sur le béton. Du coup voilà, je me suis mis ici, là je pose mon petit trépied et je filme du coup comme ça pour avoir un petit fond fleuri dirons-nous. Snowbell c'est la seule qui ose on va dire sortir, mais il faut que je la surveille parce que c'est une chippie. Elle aime bien aller explorer un peu trop loin parfois, j'ai pas envie qu'elle saute forcément, mais ça lui fait du bien de sortir un peu et elle aime bien se rouler là sur la fausse herbe. Je pense que demain, dernier truc que je filmerai pour et je clôturerai ce vlog parce que ce sera un peu long sinon. Mais je sais pas si vous vous souvenez, dans un autre weekly vlog, j'avais été chercher ces papiers peints chez Leroy Merlin en vlog. Est-ce que vous vous souvenez? J'en avais pris plusieurs avec plusieurs motifs et je savais pas quoi choisir et je sais toujours pas quoi choisir d'ailleurs pour remplacer celui dans mon bureau. Je vais vous montrer.
que j'ai déjà depuis quelques temps. Et puis pour changer un petit peu, j'avais envie d'en mettre un autre tout simplement. Et ouais, je l'ai pas encore fait, j'avoue que j'ai grave traîné, ça, c'est là sur le meuble de Maxine depuis le dernier vlog en fait. Donc il faut vraiment que je m'en occupe et je pense que bah, du coup je vais faire ça demain pour terminer ce vlog. Nous allons attaquer ceci pour cette fin d'après-midi. Donc je vais ramener tout ça dans mon bureau. On va choisir ensemble, je sais pas encore comment je vais faire ça. La question est maintenant, est-ce que comme il n'y a qu'un petit bout à couper et que j'ai plus qu'à reporter les tracés. Parce que vous savez en haut en fait mon mur est pas droit, je sais pas si on se rend compte là mais il est penché. Du coup j'ai plus qu'à décrocher celui-là et tracer la même forme sur le nouveau. J'ai plus à calculer, mesurer tout ça donc ça va être beaucoup plus simple. Enlever, maintenant il faut que je choisisse quoi mettre. Je pense que je vais, parce que là comme il n'y a rien c'est plus facile maintenant de se projeter et de mettre devant pour pouvoir comparer, donc je pense quand même que je vais faire ça. Le premier ça va être celui-là, le plus simple, enfin le plus simple niveau couleur, pourquoi pas, plutôt dans ce sens-là. C'est tout le roi Merlin, je rappelle tout ce que je vais vous montrer là, et même l'ancien là que j'avais c'était le roi Merlin. Blanc comme ça avec des détails dorés et argentés, selon la lumière vous voyez ça... C'est un peu métallique. Est-ce que j'ai envie que ça contraste ou moins? Parce que là ça contraste moins forcément. Ouais. C'est sympa mais non en fait. Celui-là je le trouvais cool parce que la couleur c'est vert. Mais c'est vert très très clair en fait. Vert amande très très clair. Mais ça reste quand même dans les trucs un peu, les motifs tropicaux. Enfin voilà. Je le trouvais chouette. Ça me plaît déjà mieux en fait. Ouais. Un peu plus là. Et le dernier c'était celui-là, je crois que j'ai déjà fait mon choix en fait, parce que là j'aime bien la couleur mais au final les motifs c'est pas... Je préfère quand c'est plus tropical, j'ai vraiment un truc avec les palmiers, je crois que j'arriverai jamais à m'en détacher. J'ai même pas envie d'essayer ça, non, finalement. Donc écoutez, je pense que je vais prendre celui-là. J'ai envie. Pour fixer, je sais que je vais réavoir des questions, enfin je suppose, parce que comme je ne colle pas, je suis locataire, du coup j'évite de mettre de la colle à papier peint et tout, ce serait un peu relou quand je partirais d'ici et tout, enfin franchement moi je m'embête pas, je prends des petits clous, c'est les plus petits qu'on peut trouver, ils sont tout minus, ils font peut-être 1,5 cm, tout fin, enfin franchement ça fait des trous dans le mur mais on les voit même pas tellement ils sont petits quoi, et en fait j'en mets aux quatre coins, en haut, en bas, et peut-être encore deux au milieu. Bon, ça se voit pas du tout et c'est vrai que ça évite de coller, et bon voilà, c'est la solution que j'ai trouvé. Ah, j'aime bien en fait. Ah non, c'est cool, je suis très contente de cette couleur. J'aime vraiment beaucoup hein, ce vert là, ce truc là. Avant je l'avais, je sais plus où je l'avais là. Je pense que je vais du coup l'accrocher là, devant là. En fait c'est deux trous qui ont été rebouchés mais qui n'ont pas été repeints. Ah bah c'est vraiment mieux comme ça, dis donc. Enfin les trous sont cachés. Ce weekly vlog touche maintenant à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça fait toujours plaisir comme d'habitude. Vous abonner à la chaîne, me suivre sur les réseaux. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!